Un article revu par des pairs dans le British Medical Journal a été vérifié par Facebook qui lui a donné une étiquette ⁇ contexte manquant ⁇ Le journal a dit que c'était faux. Une bataille s'en est suivie pour savoir qui avait raison. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappelle. Depuis deux ans, les experts médicaux nous disent que nous vivons une pandémie. Alors que d'autres pensent que nous vivons un pépin dans la simulation. Quelqu'un peut-il sortir la simulation, souffler dans la cartouche et la remettre Selon certains, nous vivons également une infodémie, trop d'informations et pas assez de sources crédibles. Mais qui décide de ce qui est crédible Facebook a dû répondre à cette question en 2016 lorsqu'il a été accusé de ne pas faire assez pour stopper la propagation de fausses informations virales. Il s'est associé à des vérificateurs de faits tiers afin que Facebook ne soit pas lui-même responsable de la vérification des faits. Ce qui est probablement une bonne chose. Facebook est connu pour ses faits autant que Pete Davidson est connu pour sa chasteté. Mais cela n'a pas empêché Facebook d'être dans la ligne de mire. En novembre dernier, le British Medical Journal, ou BMJ, a publié un article intitulé ⁇ Covid-19 ⁇ Un chercheur dénonce les problèmes d'intégrité des données dans l'essai vaccinal de Pfizer. L'article couvre les accusations de la dénonciatrice Brooke Jackson, qui a été licenciée de son entreprise après avoir signalé des problèmes liés à certains essais de vaccins de Pfizer. Elle était directrice régionale de Vantavia Research Group, qui avait été engagée par Pfizer pour mener certains des essais du vaccin Covid. Madame Jackson a déclaré que l'entreprise falsifiait des données, faisait des tests en non-aveugle, employait des personnes pour vacciner insuffisamment formées et tardait à assurer le suivi des effets indésirables. Attendez, à quel point ces personnes qui injectaient des vaccins étaient-elles mal formées Étaient-elles en quelque sorte moins qualifiées que les gens qui donnent des rappels dans les clubs de striptease Oui, c'est une chose réelle. Pas la série habituelle de piqûres que vous recevez là-bas. L'article n'a jamais dit que Jackson remettait en question l'efficacité du vaccin, mais seulement les problèmes qu'elle a constatés dans les essais et la supervision de ceux-ci par la FDA. Selon l'article du BMJ, elle n'était pas la seule à avoir des inquiétudes. Un autre employé de Vantavia a déclaré qu'il ne pensait pas que les essais du vaccin comportaient des données sincères et a qualifié le tout de fouillis. Pas très sincère et un désordre fou. Oh, comme les piqûres de rappel dans les clubs de striptease. Maintenant, pour être clair, Vantavia n'a couvert que trois des 153 sites où les essais de vaccins Pfizer ont eu lieu. Jackson ne disait pas que tous les essais avaient des problèmes, seulement ceux qu'elle a observés. Mais cela soulève quand même beaucoup de questions. D'autant plus que le BMJ est une revue médicale bien établie, évaluée par des pairs. Un rapport soulève des questions sur les résultats d'une société de recherche qui a participé à l'essai de Pfizer. Parmi les questions soulevées dans l'article du British Medical Journal, l'identité de certains participants a été révélée parce que des documents ont été laissés en évidence. D'autres préoccupations concernent le fait que le vaccin n'a pas été conservé à la bonne température et que certains spécimens n'ont pas été étiquetés correctement. Le fait de ne pas réfrigérer correctement les choses, de n'avoir aucun sens de l'intimité et de ne pas être en mesure d'identifier les spécimens créés dans la zone. Est-ce qu'ils décrivent les scientifiques ou mon colocataire à la fac L'article a également suscité beaucoup d'attention sur les médias sociaux. Et c'est là que les vérificateurs de faits sont intervenus. Le BMJ, Le BMJ a commencé à recevoir des rapports indiquant que des personnes ne pouvaient pas partager l'article sur Facebook ou qu'elles recevaient des drapeaux comme celui-ci. L'article avait été vérifié et marqué d'une étiquette ⁇ contexte manquant ⁇ De toutes les choses sur Facebook sur lesquelles mettre une étiquette ⁇ contexte manquant ⁇ ils ont choisi ça et les gens avec qui j'étais au lycée qui postent qu'ils viennent d'acheter leur première maison Oh, vraiment Et le fait que vos parents vous ont prêté tout l'argent pour la compte Jake et Amber Et il n'y a pas que l'étiquette contexte manquant. Facebook a également averti les personnes qui ont publié l'article qu'elles risquaient de voir leur publication redescendre dans le fil d'actualité de Facebook pour avoir partagé à plusieurs reprises de fausses informations. D'autres ont été informés que les publications contenant l'article étaient « partiellement fausses ». Lead Stories, l'un des vérificateurs de tiers de Facebook, a rédigé un article pour expliquer le problème. L'article disait que le British Medical Journal n'avait pas révélé de rapports disqualifiants et ignoré sur les défauts des essais du vaccin COVID-19 de Pfizer. Si vous vous dites « Attendez, je ne pense pas que ce soit ce que dit l'article du BMJ ». Vous avez raison, ce n'est pas ce qu'il dit. Tout ce qu'il a dit, c'est que le rapport soulève des questions sur l'intégrité des données et la surveillance réglementaire. Lead Stories a rassuré les lecteurs en leur disant que les résultats des essais étaient solides et que le vaccin était à la fois sûr et efficace. C'est ce que dit Pfizer, et la FDA, et Vantavia. Ce que, bien sûr, l'article du BMJ n'a jamais remis en question. Vous pourriez argumenter que quelqu'un lisant l'article pourrait en tirer cette conclusion. Mais ce n'est pas ce que dit l'article. Lead Stories a également mis en doute la crédibilité de la dénonciatrice. Par exemple, l'article dit qu'elle détient un certificat en audit d'essai clinique de Barnett International qui offre un cours de 30 heures. Lead Stories semble sous-entendre qu'elle a seulement suivi un cours de 30 heures avant d'obtenir le poste. Mais était-ce vraiment le cas j'ai l'impression que c'est manqué de contexte. Parce que l'article du BMJ dit que Jackson est arrivé à Vantavia avec 15 ans de recherche clinique derrière elle. Et puis vient la partie vraiment bizarre. Vers la fin de l'article, il déclare que, sur Twitter, Jackson n'exprime pas un soutien sans réserve aux vaccins COVID. Ils ont énuméré quelques tweets pour prouver leur point de vue, y compris un où elle semblait être d'accord avec le sceptique des vaccins Robert F. Kennedy Jr. Dans un autre tweet, elle semblait critiquer le mandat de vaccination au chat de Biden. Si je comprends bien, si quelqu'un n'exprime pas un soutien sans réserve au vaccin Covid, cela signifie qu'il est suspect Devons-nous tous promettre notre loyauté au dieu des vaccins avant de publier un message sur Twitter De peur d'être frappé par les éclairs des vérificateurs de faits La seule chose que je trouve suspect chez elle est le fait qu'elle utilise encore Twitter. Quiconque est encore sur cette plateforme est au moins un peu fou. Moi y compris. Le BMJ a contesté les affirmations des vérificateurs de faits et s'est défendu. Je vous dirai comment après la pause. Je dirais bien, bienvenue, mais j'ai l'impression que YouTube n'aurait pas mis de publicité dans une vidéo comme celle-ci. C'est pourquoi nous comptons sur des fans comme vous pour nous soutenir sur le site de financement par la foule Patreon. Rendez-vous sur patreon.com slash America Uncovered pour nous aider à poursuivre l'émission. Après avoir découvert l'étiquette contexte manquant, sur son article, le British Medical Journal n'était pas content. Et en Bon Journal Médical, ils ont publié une réfutation. Ce qui n'est pas le cas de la mauvaise mode des revues médicales, qui consiste à défier les fact-checkers dans un combat au couteau. Le BMJ a également contacté le vérificateur de faits, Lead Stories, pour faire appel de l'étiquette de vérification des faits. Lead Stories a rejeté cet appel. Et le rédacteur en chef de Lead Stories a dit au BMJ que s'il avait un problème avec les messages de Facebook concernant leur système de notation, il devait en parler à Facebook. Une façon de passer l'éponge, vérificateur des faits. Tu es loin d'être aussi cool que ton oncle vérificateur potelé. Le BMJ a donc également contacté Facebook, qui a rejeté la faute sur ses vérificateurs de faits tiers. Je veux dire, pourquoi avoir des vérificateurs de faits tiers si vous ne pouvez pas les blâmer quand les choses vont mal Puis le BMJ est allé droit au but. Il a publié une lettre ouverte à Mark Zuckerberg lui demandant de corriger l'étiquette de vérification des faits. L'article a été publié, à la suite d'un examen juridique, d'un examen externe par les pairs et sous réserve de la supervision et de l'examen éditoriaux habituels de haut niveau du BMJ. Il accusait l'article de vérification des faits Lead Stories d'être inexact, incompétent et irresponsable. Ouch! Je pense qu'un combat au couteau aurait été moins tranchant. Et le BMJ a énuméré un certain nombre d'objections. Mais pour résumer, ils ont dit que les vérificateurs de faits avaient besoin de vérificateurs de faits parce qu'ils avaient des faits erronés, comme appelait le British Medical Journal un blog d'information. Si quelqu'un me traitait de blog d'information, je le défierais sans hésiter dans un combat au couteau. Quoi qu'il en soit, je vais inclure un lien vers la lettre dans la description ci-dessous afin que vous puissiez la lire dans son intégralité. Pour autant que nous le sachions, Zuckerberg n'est jamais revenu vers eux et n'a rien fait à ce sujet. Lead Stories, de son côté, a répondu par cet article le lendemain. Il s'agissait d'esquiver, de bloquer et de contrer. Lead Stories a accusé le BMJ d'utiliser un titre alarmiste, inexact et a intensifié les attaques contre la personnalité de la dénonciatrice, affirmant qu'elle n'était pas une scientifique enrobée de laboratoire. Une façon de critiquer une femme sur la base de ce qu'elle porte, Lead Stories. Pas très féministe comme hashtag. Ils ont également souligné que le BMJ n'avait publié aucun des dizaines de documents qui leur avaient été fournis par la dénonciatrice. J'en reparlerai plus tard. Ils sont également revenus sur l'historique des tweets de la dénonciatrice, affirmant que les déclarations publiques de la dénonciatrice sur les vaccins donnent un contexte vital à ses actions. Jusqu'où vont-ils aller dans leur fil Twitter? Et ensuite, nous avons trouvé des preuves qu'en 2014, elle a posté une photo le jeudi du souvenir alors que nous n'étions que mardi. Il ne faut pas faire confiance à cette femme. La réfutation a également lié l'article du BMJ à une histoire virale qui circulait à peu près au même moment et qui affirmait faussement que le PDG de Pfizer avait été arrêté pour fraude. Il est dit que la combinaison de ces deux facteurs a conduit à un engagement énorme des utilisateurs de Facebook sur l'article du BMJ. Et ils ont clairement indiqué que l'une des raisons de la vérification des faits était que l'article avait été fréquemment utilisé par les militants anti-vaccins. comme preuve que l'ensemble de l'essai clinique était frauduleux et que le vaccin était dangereux. C'est moi, ou le contexte manquant ne cesse de croître. Au début, Lead Stories a dit que le problème était juste quelques tweets de la dénonciatrice, mais maintenant ils ont ajouté le fait qu'un autre article circulait sur les médias sociaux à peu près au même moment. Et cela inclut des choses comme la fréquence des publications de l'article, qui le publie, et les interprétations des posters. Cela fait beaucoup de choses que je ne pense pas pouvoir qualifier de contexte manquant. Et ce n'est pas tout. J'en aurai d'autres après la pause. Bon retour. Peut-être d'un écran noir. YouTube n'aime pas qu'on parle de choses comme les vaccins et la censure et il n'aime vraiment pas qu'on parle de vaccins et de censure ensemble. Le mois dernier, deux rédacteurs du British Medical Journal ont publié un article intitulé ⁇ Facebook contre le BMJ, quand la vérification des faits tourne mal ⁇ Oui, la querelle entre le British Medical Journal et les vérificateurs de faits continue. Je vous ai dit qu'il y avait un pépin dans la matrice. Sérieusement, que quelqu'un souffle dans la cartouche de simulation et la réinitialise déjà. Dans l'article, ils ont qualifié la procédure d'appel opaque, et ont détaillé les conversations avec l'auteur de l'article de vérification des faits et le rédacteur en chef de Lead Stories. Lead Stories a déclaré au BMJ que l'étiquette contexte manquant était le drapeau le plus bas possible dans le système d'évaluation de Facebook. Et que l'article de vérification des faits ne remettait pas en question l'intégrité de l'histoire du BMJ, seulement son exhaustivité. Ce qui revient à dire, je ne mets pas en doute votre honnêteté, mais seulement le fait que vous disiez toute la vérité. Pourquoi tu t'énerves, gros menteur puant Selon Lead Stories, l'étiquette a été créée par Facebook spécifiquement pour traiter le contenu qui pourrait induire en erreur sans contexte supplémentaire, mais qui était par ailleurs vrai ou réel. Donc, en gros, Facebook a créé l'étiquette contexte manquant pour signaler le contenu qui est vrai mais que les lecteurs pourraient ne pas interpréter de la façon dont Facebook veut qu'ils le fassent. Dans cette logique, ne devrait-on pas signaler toutes les vidéos de Mark Zuckerberg, puisqu'il n'est pas vraiment un androïde extraterrestre Mais que tout le monde l'interprète comme tel Mais ce n'est pas la fin de la bataille. Lead Stories a publié cette réponse aux éditeurs du BMJ. Elle dit que leur travail consiste à rechercher les histoires qui sont virales et nuisibles. Et il a fait valoir que l'article du BMJ était les deux à la fois. Non pas parce qu'il disait quelque chose qui était faux mais parce que les gens qui ont partagé l'article l'ont mal interprété. Et plus importante encore, parce que l'article a été partagé par des mauvais acteurs, dont les antécédents en matière d'exactitude sont douteux. Donc, si je devais passer en revue les vérificateurs de faits, je dirais que la culpabilité par association est leur plus grand sophisme logique. C'est comme dire que les chiens sont mauvais parce que Hitler aimait les chiens. Si vous pensez que c'est mignon, c'est que vous êtes un nazi. Cet article du BMJ est un excellent exemple de la façon dont la vérification des faits est devenue une vérification narrative. L'article original du BMJ n'avait rien de faux ou d'inexact. Mais elle a été, vérifiée, par Lead Stories et signalée et restreinte par Facebook parce qu'il n'aimait pas qu'il partageait l'histoire et comment ces personnes y réagissaient. Plus précisément, il n'aimait pas que les gens remettent en question la sécurité du vaccin Covid de Pfizer. Avec ce genre de logique, Facebook permettra-t-il aux gens de signaler tout ce qui est mauvais pour Pfizer Parce que cela pourrait amener les gens à remettre en question le vaccin Covid de Pfizer, comme cet article du Guardian sur la façon dont Pfizer fait des profits records. Facebook apposera-t-il une étiquette contexte manquant sur cette histoire au cas où les gens commenceraient à se demander si les injections de rappel de Pfizer ne sont pas simplement des profits liés à la pandémie Autre chose concernant l'article du BMJ que Facebook a essentiellement censuré. En empêchant les gens de publier l'article, Facebook a fini par couvrir les erreurs de Vantavia et de Pfizer. Des erreurs qui devraient être révélées afin qu'elles puissent être corrigées et que les gens puissent avoir davantage confiance dans les essais cliniques approuvés par la FDA. Mais ce n'est pas la fin de cette saga. La dénonciatrice Brooke Jackson poursuivant Tavia et Pfizer pour avoir fraudé le gouvernement en vertu de la loi sur les fausses réclamations. Quant aux centaines de pages de documents que la dénonciatrice a remis au BMJ, elles sont désormais publiques. Ils étaient sous scellés depuis plus d'un an jusqu'à ce que le ministère de la Justice dise qu'il n'allait pas défendre l'affaire probablement parce qu'il ne voulait pas se retrouver au milieu de cette querelle de niveau dysfonctionnement dans la matrice. Mais si la querelle BMJ-Facebook n'est pas terminée, elle montre assez clairement que la vérification des faits a ses propres problèmes. Et si cela continue, les gens ne croiront plus aux vérifications des faits. La désinformation sera juste un autre mot pour politiquement incorrect. Surtout si l'administration Biden continue à signaler les publications problématiques à Facebook. Et, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas techniquement de la censure. Alors, qu'en pensez-vous Les vérificateurs de faits ont-ils besoin de vérificateurs de faits Et doivent-ils être responsables de l'interprétation de ce que nous lisons Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas que Amérique dévoilée est soutenue principalement par des téléspectateurs comme vous. Faites un don d'un dollar ou plus par épisode sur le site de Crowdfunding Patreon pour que nous puissions continuer à couvrir des sujets aussi controversés. Une fois encore, je suis Chris Chappelle, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.